Don Bosco a dit que nous devons tout à elle, à Notre-Dame. Alors que nous célébrons ensemble notre fête de Marie auxiliatrice, nous nous souvenons en tant que famille salésienne que tout ce que nous avons, nous le devons à l'aide de Marie. Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à cette vidéo et en particulier le recteur majeur, Don Angel Fernandez Artime. Premier jour, Marie, femme de pain. Le pain est un signe dense de sens. Il est à la fois le signe de tous les besoins humains et le signe du salut de Dieu. Marie incarne et comprend tous les besoins de l'homme. C'est par elle que vient dans notre monde Jésus, son Fils, notre unique salut, qui, avec sa mère, est le pain continuellement rompu pour le bonheur de tous et de chacun. L'évangéliste Luc, qui écrit sur la nativité de Jésus, note l'utilisation du mot mangeoire, répété trois fois. Ce relief indique une intention de représenter Jésus comme la nourriture du monde dès sa première apparition. La mangeoire destinée aux animaux devient ainsi le lieu symbolique où l'on dépose le pain pour les hommes. Marie, la porteuse de pain, avait déjà compris son rôle depuis qu'elle avait été amenée à Bethléem, qui signifie « maison du pain ». La nuit de la naissance de Jésus, Marie utilise la mangeoire, comme s'il s'agissait d'un panier posé sur une table, prophétisant ainsi le geste de Jésus lors de la dernière scène, lorsqu'il invite tous les hommes à prendre et à manger son corps offert en sacrifice pour eux. Marie n'est pas seulement porteuse du pain spirituel, mais aussi du pain matériel, veillant à ne pas laisser sa table vide. Enfin, une prière est adressée à la Vierge pour qu'elle intercède en faveur d'une juste distribution du pain, afin qu'aucun de ses enfants n'en soit privé. Dans un village lointain, une pauvre veuve subvient à ses besoins en servant une riche et mystérieuse dame qui vit seule dans une villa à l'aspect lugubre, à moitié cachée au cœur d'une forêt. La bonne veuve accomplit son travail avec générosité et précision et un jour, à l'improviste, la dame lui fait un cadeau, une bague extraordinaire. En tournant deux fois cette bague autour de ton doigt, tu peux te transformer en tout ce que tu veux, lui expliqua l'étrange dame. La veuve n'y prêta pas attention, mais lorsqu'une terrible famine frappa la région, elle se souvint de l'anneau. Elle la fit tourner deux fois autour de son doigt et se transforma en un magnifique faucon aux ailes acérées. Il décida de voler jusqu'à ce qu'il trouve une terre qui pourrait fournir de la nourriture à son fils et à ses voisins. Il vola jusqu'à l'épuisement de ses forces, puis rentra tristement chez lui. La famine avait frappé toutes les terres du royaume. Personne ne pouvait y échapper. Mais la femme ne se résigne pas. Elle tourna l'anneau deux fois et celui-ci se transforma en une énorme miche de pain parfumé. Lorsque son fils rentra à la maison et qu'il vit cette énorme miche, il se mit à manger avec appétit. Ce n'était que du pain, mais il rassasiait admirablement. Alors qu'il mâchait avec délectation, le fils de la veuve vit passer un voisin avec lequel il avait eu de nombreux différends et envers qui il avait une grande antipathie. Il était déterminé à l'ignorer, mais un frémissement dans son cœur l'a poussé à l'inviter et à partager ce pain miraculeux. La nouvelle s'est répandue et les gens ont afflué de tout le village, grands et petits, jeunes et vieux, pauvres, malades et en bonne santé, désespérés et inquiets, ce pain semblait inépuisable.
En outre, il ne se contentait pas d'éradiquer la faim, mais il insufflait la sérénité et le désir de paix, le sens de la bonté et la santé du corps. Les ennemis se sont réconciliés et ceux qui s'ignoraient auparavant se sont souris cordialement. Chaque soir, la dernière miette de pain était retransformée dans la veuve généreuse. Chaque matin, la femme se transformait en un pain géant, parfumé et délicieux, nourrissant le corps et l'esprit des villageois. Il en fut ainsi jusqu'à la nouvelle récolte. Ce jour-là, un grand festin fut organisé. Naturellement, la veuve y participa aussi. Tous ceux qui s'approchaient d'elle ressentaient une étrange sensation. La femme sentait le pain fraîchement cuit. Je suis Nathalie Nomiato, ancien élève salésien, président de la Fédération provinciale du Triveneto. Avec la présidence et tous les anciens élèves associés à notre organisation, nous essayons d'aider les anciens élèves et les salésiens en poursuivant nos projets, qui s'adressent surtout aux jeunes et aux personnes en difficulté. Le 7 mars dernier, à 8 h du matin, j'ai reçu un appel de Père Petro, un ami salésien très cher de Léopoli. Il me dit, Nathalie, cette guerre nous a mis à genoux. Cette terrible guerre nous a tout volé. Et nous avons besoin de tant de choses, de médicaments, de nourriture, de vêtements, mais surtout d'un minibus, d'un nouveau minibus, d'un minibus dont nous avons besoin pour mettre les mères et les enfants à l'abri, et pour apporter de la nourriture là où nous ne pouvons pas aller autrement. Je lui dis, Père Petro, oui, regardons. Voyons, je ne sais pas. Il me répondit, Nathalie, je sais que tu es bon. Je sais que tu as beaucoup d'amis. Je sais que tu as beaucoup d'amis anciens élèves. Je sais que tu peux le faire. J'ai dit, très bien, Père Petro, maintenant je vais voir, nous allons voir ce que nous pouvons faire, nous allons nous mettre au travail. Père Petro me répondit, Nathalie, j'ai confiance en toi, j'ai vraiment confiance en toi. J'ai été surpris par cette demande et j'ai immédiatement appelé mes plus proches collaborateurs, amis et anciens étudiants. J'ai appelé Albertino, j'ai appelé Paolo pour lui faire part de ce besoin. Et après leur avoir fait part de ce besoin, nous nous sommes dit que nous devions vraiment faire quelque chose. Nous avons donc commencé à appeler nos anciens élèves, ou pas, et il semblait que ces amis attendaient notre appel, notre besoin d'aide. Notre mot était « Père Petro a besoin de nous ». Dès midi, Albertino m'annonce qu'il a trouvé un minibus pratiquement neuf. Le coût est d'environ 30 000 euros. Mais nous nous étions déjà dit ensemble que nous ne devons pas nous préoccuper pour l'argent. Notre très cher père Bruno, un saint salésien qui nous a éduqués et fait grandir, nous a toujours dit que la Providence, Don Bosco et Marie Auxiliatrice sont avec nous et nous donneront un coup de main. À 15 h 30, Renzo m'appelle. Renzo, l'ami du père Petro. Renzo que j'avais appelé le matin pour lui demander son aide. Avec Federica, il me dit, Nathalie, nous voulons participer à cette solidarité. Nous voulons être là aussi. Nous avons trouvé une camionnette. Une camionnette qui nous convient chez le concessionnaire de Padoue. Écoute, je n'ai pas le temps pour les étapes bureaucratiques. Tu vas le voir et après tu me diras combien il faut transférer parce que je paierai la camionnette en entier. Paolo, Albertino et moi-même sommes restés stupéfaits. Je lui dis, mais regarde Renzo, nous sommes en train de récolter. Renzo me dit, Nathalie, je veux l'acheter. Pendant ce temps, la collecte se poursuivait, médicaments, nourriture, etc. Après avoir vu le minibus, toute l'opération d'achat a commencé, ce qui n'a pas été facile, car souvent la générosité est beaucoup, beaucoup plus forte que la bureaucratie. En cela, je dois remercier le père Alberto Poles, l'économe provincial de la Triveneta,
et sa secrétaire Erika qui m'ont suivi tout au long du processus d'achat, en surmontant ensemble tous les problèmes qui s'étaient superposés. Très bien, le minibus est prêt, la camionnette est chargée de médicaments, de nourriture, de tout. Le jour approche où Père Petro viendra le chercher. Mais ce même jour, un autre appel matinal. C'est toujours Père Petro qui me dit « Natalino, j'ai un permis spécial, mais il ne me laisse pas quitter l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » Je lui ai dit « Tout est prêt, les papiers sont en ordre, le bus est prêt. » Père Petro, ne t'inquiète pas, je t'enverrai deux jeunes. Erika a déjà tout. Elle a leurs papiers, tu verras que tout ira bien. Les garçons arrivent. Enfin, la camionnette chargée des produits de première nécessité demandés par le Père Petro part. Nous enverrons les autres articles par palette avec un transporteur ukrainien à une date ultérieure. Ce sont les choses que nous aimons faire. Ce sont les choses que nous nous sentons appelés à faire, étant également convaincus que tout ce que le Seigneur nous donne, les bonnes choses, tous les dons que dans sa grande bonté il nous fait, ne doivent pas rester uniquement pour nous, mais doivent également être partagés avec ceux qui sont moins bien lotis que nous. Je vous embrasse tous. Vive Don Bosco, vive Marie Auxiliatrice. Prière. Sainte Marie, femme de pain, tu as connu la pauvreté de Nazareth, et c'est à la sueur de ton travail que tu as nourri Jésus. Montre-nous le sens de la misère, et aide-nous à être sensibles aux cris des pauvres. Enseigne-nous que le pain ne suffit pas à rendre heureux, et que seul le pain vivant descendu du ciel rassasie l'âme.